Le miracle des oiseaux qui parlent. Chacune des espèces vivantes sur Terre fut créée avec des particularités miraculeuses et des aptitudes qui émerveillent. Rien qu'en examinant une variété d'espèces, il est possible de voir des centaines de preuves de la création magnifique d'Allah. Et les oiseaux, qui ont environ 10 000 variétés, font partie des communautés qu'il faut examiner et sur lesquelles il faut réfléchir. Chacune des variétés fut dotée des spécificités aussi émerveillantes les unes que les autres. Leurs plumes toutes colorées et leur apparence esthétique, leur bruit et leurs chants qui contiennent chacun un message différent. Leurs mécanismes de vol parfaits qui sont une source d'inspiration pour les avions modernes. Leur adresse à faire des nids. Et avec leur habileté concernant le fait d'émigrer, les oiseaux possèdent d'innombrables particularités qui sont des preuves de la réalité de la création. Les oiseaux furent également créés avec une aptitude spéciale pour former des groupes sociaux. De très nombreuses espèces d'oiseaux vivent en communauté. De cette manière, ils s'avertissent les uns les autres face aux dangers. Concernant la question de trouver de la nourriture et un endroit pour s'abriter, ils travaillent en commun. De plus, en faisant divers sacrifices, ils s'aident les uns les autres sur de très nombreux points. Et il y a certains oiseaux qui attirent l'attention avec leur intelligence et leur aptitude variée. Par exemple, ils peuvent danser, ils peuvent jouer avec vous, ils peuvent comprendre ce que vous dites, ils peuvent même imiter des voix. Beaucoup d'entre nous ont entendu les aptitudes à parler des oiseaux. Nous avons même vu cela à la télé, ou bien nous en avons été directement témoins. Sans aucun doute, le fait que ces créatures puissent parler ou qu'elles puissent imiter les voix ne sont pas des choses banales. Alors que même les êtres humains ont du mal à imiter d'autres voix ou conversations, le fait que ces tout petits oiseaux puissent imiter de manière parfaite de très nombreuses voix qu'ils entendent et qu'ils montrent l'aptitude à parler, ceci est une situation extraordinaire. Les caractéristiques miraculeuses que possèdent les oiseaux sont une cause pour que nous soyons témoins de la puissance majestueuse d'Allah. Dans un verset, Allah attire ainsi l'attention sur les oiseaux. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux, déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. La conception supérieure qui permet la formation de la voix chez les oiseaux. Les oiseaux communiquent grâce aux cris, aux chants et au langage du corps. Pour communiquer avec les autres membres de leur groupe, leurs voisins ou les membres de la famille, ils émettent des sons très variés. Chaque espèce d'oiseau chante avec une caractéristique qui lui est propre, mais ces chants présentent des différences à certaines périodes de l'année et en fonction de l'âge, du sexe et de la situation géographique. C'est-à-dire que chaque oiseau sait quel cri il doit émettre et dans quel environnement. Quant à nous ne pouvons pas comprendre la plupart des messages derrière les sons.
Mais les sons émis par certains oiseaux nous semblent très familiers, car ces oiseaux peuvent imiter la voix humaine. Apprendre la vocalisation, qui est une particularité de la voix humaine, est une caractéristique que l'on rencontre très rarement chez les animaux. On sait que cette particularité existe chez très peu d'animaux. Quant au meilleur exemple qui possède cette aptitude, ce sont les perroquets. En plus de très nombreux bruits, comme le grincement d'une porte, le bouchon d'une bouteille qu'on ouvre, la sonnerie du téléphone et les sifflements mélodieux, les perroquets peuvent également imiter le langage humain. Le fait qu'un perroquet dise « Allô » quand le téléphone sonne, « Qui est-ce ?» quand on frappe à la porte, ou lorsqu'il voit une personne qu'il connaît et qu'il s'adresse à lui par son nom, ceci est accueilli avec étonnement par les personnes qui font face à cette situation pour la première fois. Or, un grand nombre de personnes ne réfléchissent pas comme il se doit à cet événement qui est extrêmement étonnant, ou bien avec le temps, cela commence à être perçu comme une chose naturelle. Or, pour qu'un oiseau puisse dire même un seul mot, un fait très étonnant se réalise. Pour qu'un oiseau puisse dire un mot qu'il a entendu, ou bien reproduire une mélodie, sa structure physique doit être conforme à cela. Ses sens auditifs et visuels doivent fonctionner de manière parfaite. Il faut qu'il puisse enregistrer dans sa mémoire les informations acquises via ses sens et doit posséder sa propre attitude à saisir et à comprendre. Or, comme tous les autres animaux, les oiseaux sont des êtres vivants qui ne possèdent pas un intellect et une volonté indépendantes. Ils n'ont pas d'aptitude à penser, comme chez les êtres humains, à prendre des décisions conscientes et à se comporter de manière délibérée concernant la pratique de celle-ci. C'est Allah, le possesseur de la science infinie, qui leur fait faire ces actes, qui leur permet de montrer des signes d'intellect surprenants. Dans un verset, nous sommes informés ainsi que chaque être vivant est sous le contrôle d'Allah. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Comme le pensent beaucoup de personnes, parler ou bien imiter un bruit n'est pas une simple dextérité qui se fait seulement avec l'ouverture et la fermeture de la bouche. Pour cela, des systèmes très complexes doivent être présents ensemble et tous les éléments appartenant à ces systèmes doivent fonctionner de manière parfaite et en harmonie. Quant à l'aptitude des oiseaux à imiter la voix et en considérant toutes ces choses, elle présente de très nombreux aspects extraordinaires. La structure du larynx des oiseaux ne ressemble aucunement à celle de l'être humain. Les constitutions physiques comme le larynx, les cordes vocales, la langue, les lèvres et les dents qui entrent en jeu dans le parler de l'être humain sont complètement différentes chez les oiseaux. Et même, une partie de ces organes ne sont aucunement présents chez ces oiseaux. Grâce au microscope en fibre optique installé dans les gorges des oiseaux, les scientifiques examinent de près leur chant et leur langage. Seulement, ils n'arrivent toujours pas à complètement expliquer d'un point de vue physique comment les oiseaux réussissent à chanter et à imiter les voix. Les oiseaux n'ont pas de larynx comme les êtres humains, mais ils ont un organe spécial, le syrinx, qui leur permet d'émettre des sons. Cet organe sonore est au niveau de la poitrine, comme un instrument binaire qui se trouve au point où le gosier se sépare en deux branches. Un bout du syrinx s'ouvre sur une branche, le deuxième bout sur l'autre branche, et chacun de ces canaux peuvent produire des sons. Cette situation permet à l'oiseau de produire deux notes différentes simultanément, et même de faire un duo avec lui. Les sons produits ici, qui par la suite en se mélangeant les uns aux autres en grande partie, permettent au chant d'oiseau de posséder une riche mélodie. C'est-à-dire que la complexité de l'organe du syrinx chez les oiseaux détermine la complexité des sons émis. En plus de cela, la qualité du son est également affectée par la longueur de la trachée, le rétrécissement du gosier, les muscles dans la gorge, la structure du bec et de ses mouvements.
Chez les perroquets, les perruches et une partie des oiseaux chanteurs, le nombre des muscles du syrinx est plus important par rapport aux autres oiseaux et sa structure est plus complexe. Chez les oiseaux, la conception parfaite qui existe pour la formation du son est également présente dans leur sens d'audition. Les oiseaux ont des oreilles qui entendent bien, seulement, eux, entendent différemment des êtres humains. Pour que les oiseaux reconnaissent une mélodie, ils doivent toujours entendre cette mélodie sur la même octave. On appelle octave la série issue des sept notes que nous connaissons tous. Or, les êtres humains peuvent reconnaître une mélodie même s'ils l'entendent sur une octave différente. Les oiseaux ne peuvent pas faire cela, mais à la place de cela, ils se rappellent des timbres. L'oiseau, qui se rappelle du timbre et des variations harmoniques, entend grâce à cela de très nombreuses variétés de sons auxquels il peut répondre, il peut même parfois les produire. En même temps, les oiseaux entendent les notes plus courtes que nous ne pouvons pas entendre. De plus, les oiseaux sont supérieurs aux êtres humains pour différencier rapidement les sons qui viennent. La capacité des oiseaux à analyser le son est à peu près 10 fois meilleure que chez les êtres humains. Alors que les êtres humains entendent une note, les oiseaux peuvent entendre 10 sons différents. Cette sensibilité des oiseaux au son est si affinée qu'ils peuvent même distinguer la différence entre les morceaux des compositeurs célèbres comme Bach et Stravinsky. Ce sens auditif, extrêmement sensible chez les oiseaux, fonctionne de manière parfaite. Il est clair que chacun des éléments formant le sens auditif fut créé avec une conception spéciale. Allah crée chaque être vivant avec les spécificités dont il a besoin et leur inspire des comportements rationnels. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et « c'est ». Le langage d'appel des oiseaux et leurs chants. Les oiseaux, avec les sons extrêmement forts et à haute fréquence qu'ils émettent, se font des appels les uns aux autres. Ces sons présentent des différences allant des appels simples et courts jusqu'aux chants étonnamment longs et complexes. Il n'y a que quelques variétés d'oiseaux qui n'ont pas de voix, les pélicans, les cigognes et certains vautours. Les sons de structure acoustique que les oiseaux utilisent entre eux forment un langage d'appel. Quant au chant des oiseaux, ils sont formés d'une série de notes qui peut être considérée plus longue que celui-ci et comprenant la plupart du temps des mélodies. Alors qu'on entend les chants des oiseaux en majorité au printemps, leurs cris sont entendus tout au long de l'année. Sans qu'une grande énergie ne soit dépensée, ces cris permettent une communication rapide avec un message simple. Ces appels ont plusieurs fonctions. Les oiseaux font des appels, parfois pour faire connaître leurs parents aux bébés, parfois pour maintenir ensemble la colonie, parfois pour informer sur le lieu d'une source de nourriture, parfois pour informer au sujet de la présence d'un ennemi, parfois pour faire peur aux ennemis et ainsi ils auront établi une communication entre eux. Les chants des oiseaux ne sont pas des sons émis de manière aléatoire. Les chants qu'ils émettent sont des mélodies qui ont une signification précise, dirigés vers un objectif précis et qui possèdent une diversité extraordinaire. Les chants sont en fait beaucoup plus complexes que les sons qu'ils produisent pour faire des appels et qu'ils utilisent en tant que signaux. En général, c'est utilisé par les mâles pour faire une parade, pour défendre le territoire ou pour faire la cour. On pense même que les chants ont une fonction sociale. Par exemple, lorsque les couples construisent des nids, ils communiquent au moyen des chants. Comme on peut le voir, les oiseaux utilisent le procédé le plus approprié à l'endroit où ils se trouvent et le plus approprié à leur objectif. Le fait que chaque oiseau sache quel chant chanter et dans quel environnement que le chant qu'il va produire ait une signification et un but n'est pas une chose qu'un oiseau peut calculer à lui seul. Des créatures,
dénué d'intellect et de raisonnement, qui affiche des comportements présentant des signes d'intellect et de sagacité à ce point, ceci ne peut se faire que grâce à l'inspiration qu'Allah leur donne. C'est la seule source des actes conscients qu'ils font, des aptitudes qu'ils possèdent. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. L'aptitude étonnante des oiseaux à comprendre et apprendre. Certains oiseaux, avec toutes leurs caractéristiques miraculeuses, possèdent encore une autre compétence, apprendre. Parmi les oiseaux qui parlent, du point de vue de l'aptitude à comprendre et à apprendre, on sait que les perroquets gris d'Afrique sont les meilleurs. Une des particularités frappantes des perroquets, c'est qu'ils peuvent apparenter leurs paroles avec des objets ou bien des mouvements. Par exemple, un perroquet à qui, pendant une certaine période, on dit bonjour tous les matins en enlevant la couverture sur sa cage, pourra dire ce mot par lui-même un autre matin quand sa couverture sera ôtée. De plus, la plupart des oiseaux peuvent faire ceci alors qu'on ne leur a pas spécialement appris. La raison à cela, c'est que les oiseaux en question peuvent établir des liens entre les événements et les propos abordés lors de ces événements. Pendant longtemps, alors qu'on pensait que les perroquets et les autres oiseaux qui parlent ne faisaient que des imitations, on comprit suite aux recherches effectuées que ces êtres vivants avaient des capacités mentales étonnantes. Les scientifiques pensent même que la complexité dans la communication chez les oiseaux commence récemment à être comprise. Les travaux que le professeur Aaron Pepperberg effectue depuis 1977 sur le comportement des animaux ont donné des informations approfondies sur les capacités des oiseaux à parler et à comprendre. L'étude la plus frappante de toutes fut réalisée avec Alex, un perroquet africain. Alex peut communiquer avec les chercheurs en utilisant des mots précis, comprend les ordres qui lui sont donnés, peut exprimer ses propres souhaits, peut compter, peut reconnaître les corps, les couleurs et les formes. Selon les scientifiques, cette aptitude se réalise suite à l'apprentissage qui est l'indice d'une haute conscience. Suite aux travaux effectués, ce perroquet a aussi appris des petites phrases concernant les adjectifs. Il peut par exemple différencier les couleurs rouge, bleu, vert, jaune, orange, gris et violet les unes des autres. Pour différencier le nombre des objets, il peut utiliser les chiffres 2, 3, 4, 5 et 6. Il peut désigner 5 figures différentes, comme des figures à 2, 3, 4, 5 ou 6 angles. Quand on lui montre une voiture en jouet, il peut dire ce que c'est. What toy? En même temps, pour un corps dans une forme et couleur déterminée, il a compris que le vert et le triangle représentent une catégorie différente. Aux questions « quelle couleur » ou bien « quelle forme », il est capable de donner une réponse en fonction de chacune des deux particularités. En d'autres termes, quand on lui demande la couleur d'un objet, il donne une réponse en rapport avec sa forme, il dit la couleur de l'objet. De la même manière, il donne la bonne réponse aux questions posées en rapport avec la forme de l'objet. Si on attend la réponse carrée de sa part, il donne une réponse en rapport avec la forme, pas avec la couleur. Suite aux travaux effectués, il fut observé qu'Alex pouvait également donner des réponses justes au sujet des noms, des couleurs, des formes et des instruments non utilisés dans la formation. Par exemple, quand on lui montre deux clés de couleurs différentes, il répond de manière juste à une question orientée quant à savoir quelle clé de quelle couleur est la plus grande. Ou lorsqu'on montre les mêmes clés et qu'on demande la différence entre elles, il dit que c'est la couleur. Tell me what's different.
good parrot. You're right, different color. Certes, en tant que signe du savoir et de l'intellect dans la création d'Allah, cela nous encourage à penser. C'est Allah qui crée les oiseaux avec les diverses aptitudes, comme parler, imiter. Par la volonté d'Allah, ces animaux montrent une attitude supérieure qu'on n'attendrait pas des capacités de leur cerveau et présentent un comportement à étonner les gens. Cet exemple et des milliers d'autres similaires qui se trouvent dans la nature sont des moyens pour les gens de voir encore une fois la force et la puissance d'Allah. Alors que cela permet à de très nombreuses personnes qui ne connaissent pas Allah comme il se doit de réfléchir sur la réalité de la création, c'est un moyen pour les croyants à ce que leur foi se renforce encore plus. Allah nous a ordonné de réfléchir sur les innombrables preuves de la création qui se trouvent dans le ciel et sur la terre. Or, il ne faut pas oublier que seuls les gens qui écoutent la voix de la conscience vont pouvoir voir ces preuves évidentes et avec la permission d'Allah, ils vont pouvoir saisir la signification de celle-ci. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons bâti et embelli? Et comment il est sans fissure? Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Les oiseaux qui imitent les voix invalident les assertions évolutionnistes. Dans l'univers et chez les êtres vivants, il y a une conception très nette. Avec la démonstration de cette conception par la science, la théorie de l'évolution s'est effondrée, laquelle prétend que la vie s'est formée par hasard à partir des matières inanimées. Comme chez les êtres vivants que nous avons regardés dans ce documentaire, devant les comportements rationnels, la théorie de l'évolution entre dans l'impasse. Depuis des années, dans le but de pouvoir présenter des preuves des soi-disant liens de parenté des chimpanzés avec les êtres humains, de très nombreux évolutionnistes essaient de relever les ressemblances entre les chimpanzés et les êtres humains. Seulement, malgré tant d'efforts et de tant dépensés, leurs efforts pour faire parler les chimpanzés ont été en vain. Depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, malgré les efforts des éducateurs d'animaux et des chercheurs pour apprendre à parler aux chimpanzés, aucun chimpanzé n'a pu réussir à faire cela. Ainsi, les travaux des évolutionnistes pour montrer le chimpanzé comme l'animal le plus disposé à parler se sont terminés par une déception. Cette situation a présenté encore une fois aux yeux de tous qu'il n'y a pas de lien entre les chimpanzés et les êtres humains, tout comme le rêvaient les évolutionnistes. De plus, quand on compare avec l'aptitude des perroquets, les sons émis par les chimpanzés demeurent extrêmement simples. L'aptitude d'une partie des oiseaux, comme les perroquets, à pouvoir imiter les voix, rend insignifiant sous un autre aspect de plus, une des assertions importantes des évolutionnistes, l'assertion de l'arbre généalogique évolutionnaire. Car un perroquet, qui n'a aucune similitude physique avec l'être humain, le fait qu'il possède une aptitude qui nécessite une haute intelligence comme le parler ne correspond à aucune des assertions évolutionnistes. Selon les évolutionnistes, dans le soi-disant arbre généalogique évolutionnaire, les chimpanzés doivent prendre place juste derrière l'être humain. Seulement, les oiseaux parlants qui sont une des créatures qu'Allah a créées invalident ces assertions des évolutionnistes de par la haute conscience qu'ils affichent et l'aptitude à imiter les voix. Un autre aspect de ce sujet qui crée une gêne pour les évolutionnistes est en rapport avec la provenance de l'intelligence de l'oiseau. Si les oiseaux sont comme le prétendent les évolutionnistes des êtres vivants moins développés que les primates, comment ont-ils acquis d'un coup cette caractéristique
que les primates prétendument plus avancés qu'eux ne possèdent pas. Lorsque les évolutionnistes essaient d'apporter une explication à ce sujet, ils lient l'absence de l'aptitude à imiter les parlers chez les primates à la différence dans la structure de leur larynx. Or, en aucune manière, ceci n'est une explication suffisante. La structure du larynx des oiseaux ne ressemble certainement pas à celle chez les êtres humains. Seulement, grâce à l'aptitude qu'Allah leur a donnée, ils peuvent imiter facilement les parlers de l'être humain. W.H. Thorpe, qui est une autorité reconnue dans son domaine et un des zoologues de l'Université de Cambridge, exprime ainsi l'invalidité de cette assertion des évolutionnistes. La seule chose qu'on peut dire ici, concernant le fait d'imiter le parler humain, c'est que les organes de vocalisation des oiseaux sont de manière très claire moins appropriés que ceux des chimpanzés ou des gorilles. Selon moi, si vous montrez à un expert du larynx qui voit pour la première fois jusqu'à maintenant un larynx d'oiseau, c'est-à-dire un syrinx, et si vous lui demandez comment un être vivant possédant un tel larynx peut-il parler, à cela il va répondre « c'est certainement impossible ». L'aptitude à imiter les voix accordées par Allah à une partie des oiseaux est l'un des exemples importants qui invalide les explications des évolutionnistes. Peu importe à quel point leur structure du larynx est différente, Allah a créé ces oiseaux de manière appropriée pour parler, et ces oiseaux en question, tout en étonnant les gens, peuvent parler nettement. Ce n'est pas uniquement dans cet exemple, lorsqu'on examine la nature, nous faisons toujours face à la même réalité. Les êtres vivants possèdent des conceptions extrêmement complexes qui invalident complètement l'assertion du hasard de la théorie de l'évolution. Et de très nombreuses recherches scientifiques effectuées dans différents domaines ont détruit les assertions de Darwin. La vérité est très claire. Allah a créé tous les êtres vivants séparément, de la manière la plus complète, avec des systèmes aussi parfaits les uns que les autres. Dans le Coran, Allah nous informe ainsi de cette réalité. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui, le Puissant, le Sage. Réfléchir aux preuves de la puissance infinie d'Allah. Tout au long du film, nous avons regardé une des magnifiques créatures qu'Allah a créées, les oiseaux qui peuvent imiter les voix. Pour pouvoir imiter les sons qu'ils entendent, nous avons été témoins de la perfection du mécanisme qu'ils possèdent. En tant que résultat des recherches, les découvertes scientifiques obtenues montrent que ce mécanisme magnifique chez les oiseaux est l'œuvre d'une conception parfaite. Le savoir et l'art supérieur d'Allah, la munificence qu'il montre chez les êtres qu'il crée, sont si évidents que cela ne peut être dissimulé avec aucune théorie mensongère. Les cygnes, les paons, les perroquets tout colorés et un grand nombre d'êtres vivants que nous ne pouvons finir d'énumérer même en faisant des généralisations démentent les assertions du hasard et exposent chaque instant, chaque minute, la puissance infinie de notre Seigneur qui les a créés. Allah a exposé devant les yeux des gens les preuves innombrables de sa propre existence. Son intellect et son savoir infini se manifestent sur les êtres vivants. Notre Seigneur le Très-Haut, avec sa miséricorde infinie, fait faire des choses merveilleuses aux créatures les plus inattendues, les plus démunies et bien plus, la plupart du temps, à celles qui ne possèdent même pas un cerveau. Comme conséquence de cela, dans chaque coin de la Terre, un grand nombre d'êtres vivants, petits et grands, présentent des comportements et des mouvements qu'on n'attendrait pas d'eux et étonne les gens. Chaque être vivant porte sur lui les preuves qui nous montrent qu'il a été créé.
Quant au propriétaire de toute cette création magnifique, c'est Allah, le Seigneur des cieux, de la terre et de toutes choses qui se trouvent entre eux. Quant à ce qui incombe à l'être humain, c'est de réfléchir de manière sincère sur ces preuves qu'Allah a créées, le louer, le glorifier et le craindre comme il se doit. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de toutes choses. Adorez-le donc, et il est garant sur toutes choses.